The violinist and composer Eugène Ysaÿe has always fascinated me. His poetic approach to the violin had been my introduction to the French composers of the end of the 19th century. As a teenager, I crossed the Atlantic to study with one of Ysaÿe's students, Joseph Gingold. Little by little, I started to realize that Ysaÿe was more than simply a virtuoso violinist writing for himself, and that much of his music still needs to be discovered. When I met the musicologist Xavier Falck, who is as passionate as I am about Eugène Ysaÿe, he told me about a work he was working on that I had never heard of, a poem. From the first reading, I knew that here was something very special. There was an unusual dramatic, even somber atmosphere throughout the work. Understand how such an important work had remained unknown for all these years. I wondered if this mysterious manuscript could unravel some of its secrets. On the front page, it says, for violin and orchestra, but this was only a violin and piano score. Then there was this mysterious dedication. Voilà, là on arrive. Regarde, finalement. À cette fameuse dédicace à Irma VII. Original dedication is very important for the inspiration of the piece. Irma VII was one of his students, one of his most impressive students, and she was actually an extremely good violinist. Irma, elle est née en 1876 et c'est une enfant prodige du violon. Elle débute avec sa mère et puis elle suit aussi des cours avec un violoniste polonais qui est installé ici à Bruxelles. Puis bon, elle a l'occasion de suivre encore d'autres cours auprès d'un violoniste allemand, Auguste Wilhelmy. Et puis le fameux avocat Octave Mauss, qui était un avocat mélomane, suggère en fait à la famille cette Kirma, qui a à ce moment-là 14 ans, suive des cours en privé avec Ysaÿe. Très vite, Ysaÿe se rend compte qu'elle est extrêmement douée et il propose à la famille qu'elle intègre la classe du conservatoire de Bruxelles. Alors c'est une classe où il y a 22 élèves cette année-là, il n'y a que des garçons sauf deux filles, dont Irma. That's how I suddenly realized that the statue I was passing by without much notice in the corridor was actually a statue of Irma when she was studying in that same conservatoire. Très rapidement, Ysaÿe décide qu'elle doit venir avec lui en concert et ils vont à Londres et il l'intègre à ce concert. The violinist she must have been seems close to me. After all, she shared the same teacher as Mr. Gingold's. Having played now this piece written for her, I knew that she must have been an incredible violinist in her own right. Alors ça, c'est la version de 1893. Donc c'est le premier manuscrit que l'on a, la version violon-piano. Donc. C'est probablement ça qu'elle a joué. C'est probablement ça qu'elle a joué. Ysaÿe, in this piece, is exploring new territory for the violin that he would use decades later in his violin solo sonatas.
I found an interview of him in 1894 where he speaks about the fact that there are new passages, he calls them, passages written for the violin, no new imagination in writing combinations of notes and so forth. So this is very Debussy-like in this episode. And we can find in this piece some very interesting efforts, trial in experimenting various things. This one is very famous for us already because he used it much later in his solo sonata. So. Must have represented something more. I wish I could travel through time. In the Royal Library, I found a letter from Isaïe to Irma, written in 1894, just a few months after he wrote the first manuscript. Te voilà tout à fait près de moi, la source près du fleuve. Je pourrais au moins te voir passer souvent, car c'est toujours te voir passer que je fais. Jamais seul, jamais de caresses, jamais sur ton cœur, toujours éloigné de tes lèvres. Éternellement, si constamment dans le désir de t'avoir une heure tout à moi, rien qu'à moi, et pas d'espoir de changement dans cette situation martyrisante. Tu m'as aimé dans ma musique. Je te vois encore et je te verrai toute ma vie, fermant les yeux à la mélodie. This is more than a beautiful love letter. It also unveils the secret I had been suspecting and searching for, linking the work we are discovering to their relationship. Ce soir, j'ai un beau sujet à traiter. C'est celui des impressions âcres et douces que j'ai ressenties en t'écoutant jouer mon essai musical. Dans ce moment-là, mon amour se change en un sentiment de reconnaissance très humble. J'ai la conscience que l'œuvre n'est rien et que tu y es tout. Je t'écoutais attentivement, je te voyais marcher à pas sûr dans cette page, et il me semblait que c'était en moi que tu marchais, allant de mon cœur à mon âme. Plus tu marchais, à mesure que les thèmes se déroulaient, il me semblait que c'était bien par toi et pour toi que devait être écrite cette image de mes plus secrètes aspirations. Dans le thème mêlé d'espoir, j'entends la sourde révolte que tu mets dans... La douleur que tu épanges dans le souvenir, l'évocation tendre et lointaine du prologue, et le mélange d'âcreté poignante et de résignation que tu imprimes au retour définitif de la genèse de l'ouvrage.
finir par les rafales troublantes qui forment la conclusion furieuse de ce morceau de concert qui est bien plutôt un poème. En effet, plus je l'entends et plus je trouve que ce poème est le nôtre, que cette musique raconte le drame passionnel qui se joue ici à cette heure. Cette musique dans laquelle il y a comme de l'inassouvissement, où l'on semble courir après une chose qui n'arrive pas, est bien celle qui traduit le présent et l'avenir de cette humaine comédie. Oui, je sais que n'importe quelle œuvre que j'écrirai ne dira mieux que celle-ci, ce chapitre bien amer de notre existence. Je baisse la bouche sans t'éveiller. Marie, on est dans la maison d'Isaïe, 48 avenue Brugmann. Irma Seth va venir s'installer dans cette maison, 48 avenue Brugmann, peu de temps après le décès de son père. La maison a été construite pour Isaïe, pour la famille. La famille Isaïe, c'est à la fois Jeanne Isaïe, c'est à la fois son épouse Louise, qui est enceinte du deuxième enfant du couple, Antoine. Et Irma s'installe avec la famille, elle va partager le quotidien des Isaïe. Alors maintenant, comment petit à petit cette relation a évolué vers une relation amoureuse, c'est évidemment très difficile de le dire. Ce qui est sûr, c'est que quand Irma vient s'installer ici avec la famille, il est sûrement déjà amoureux d'elle et elle est amoureuse de lui. Eugène se rend compte qu'il aime Irma, mais il continue à aimer Louise parce qu'à un moment donné, dans cette relation à trois, à plusieurs reprises, il écrit si cette relation te convient plus, eh bien on arrête. Entre guillemets, il est prêt à sacrifier l'amour qu'il a pour Irma pour ne pas perdre l'amour de Louise. Et ben, alors, pendant un temps, elle dit non, voilà, c'est bien comme ça. Et puis, à un moment donné, ça ne va plus parce qu'elle devient jalouse. Irma, je pense, reste quand même encore en contact avec Eugène quelques temps, mais très vite, elle se retrouve à Londres. Eugène ne va jamais vraiment tout à fait oublier. Il y a un peu le avant et après, Irma. Quand on regarde le travail qui est fait entre la première et la toute dernière version complète, on a vraiment l'évolution. On a une ébauche qui est faite en 1893 et qui évolue vers une œuvre beaucoup plus complexe, beaucoup plus complète. Et il fait plusieurs vagues de corrections, et ça jusqu'à assez tardivement. On a des corrections de sa main déjà un peu tremblantes, donc on est dans les années 1920 à peu près. Donc ça veut dire qu'il revient jusque très très tard dans sa vie sur cette œuvre. Et il fait un changement significatif dans la version de 1910, c'est qu'il supprime ce qu'il avait appelé le thème mêlé d'espoir. Et là il est barré. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant d'un point de vue à la fois formel et puis aussi d'un point de vue historique. Finally, he changes the dedication to Irma to his best friend, Theodor Lindenlob. This poem was always meant with orchestra, but only a few pages of an orchestration remained. I thought this poem should be heard as it was meant, and I decided to have it orchestrated.
how did you go about the orchestration? I took as a starting point the Isaïe's orchestration based on the first version. And then I took all the details that Isaïe wrote on the manuscript and some insights about the instruments. Peut-être qu'il n'avait pas envie de l'achever, presque symboliquement, pour que ça soit peut-être quelque chose qui reste pour lui et quelque part pour elle, que ça reste dans une sorte d'intimité peut-être. Comes to my mind Debussy's famous phrase about Chausson's poem, a work written at the same time, and that is also based on a real love story. Nothing is more touching with dreamy sweetness than the end when music, putting aside all description, all anecdotes, becomes the very feeling that inspires its emotion. These are very rare moments in an artist's work. Thank you.